Suite à la soirée du 25 septembre 2004, je tenais à vous remercier et à vous faire profiter de cette belle aventure que vous m'avez permis de réaliser. Ben ouais, on est tous réunis. Le temps n'est pas de la partie, mais c'est ce qui fait le charme de l'aventure. Voilà, on a fini de traverser la Méditerranée. C'était un beau petit voyage. On arrive, comme vous voyez, c'est rue de Tanger, au Maroc. Et on est parti pour la Mauritanie. On avait fait le premier bivouac en Mauritanie au niveau du rail du train le plus long du monde, celui qui ramène le minerai de fer là. Voilà. Mon petit maté. Mathieu est en train de nettoyer son radiateur. Parce que le bagnole le chauffe, parce qu'il y a trop de criquets. Et moi là, dans la voiture, un espion, il est là, mais il y en a partout des criquets. C'est le fait grave, hein. On a eu une charmante compagnie, voilà, un intrus, un voyou. Et ensuite, il y a eu ses amis qui nous ont tenu compagnie un certain nombre de kilomètres. À vous de juger. Vous allez voir, quoi. Ça va continuer. C'est vraiment impressionnant.
un million de sortes de ça va ressortir sur la le nombre qu'il y en a. Oh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, c'est trop là, enfin, je sais pas, c'est trop, il y a une tempête de neige, on est envahi, la voiture est envahie complètement. Oh là, on s'est fait attaquer grave là. Et ça se bouffe, ça fait regarde. Oh, regarde l'arbre. Et il veut le massacrer. Laisse pas croquer, laisse pas croquer. Aïe, classe. Ça a l'air de se calmer, elle est bête. Elle est dure. Elle est belle dure de sable. Remis la merde. Moment d'émotion là. Ouais, je retrouve mes ouvriers, mon compteur de travaux maudit, un gars avec qui j'ai passé d'excellents moments dans le désert là, Younetous. Ouf, tiens là j'en ai, c'était dur. Hein. Perdu dans le désert là, avec 70 bonhommes à gérer, c'était difficile, mais bon. Je suis sorti, c'était bon. C'est bon, ça c'est ma vie, c'est une autre histoire. Ouais. Après, il y a mon grand ami Doudou Traoré, avec qui je suis toujours en contact, Farinelle. Ouais. Un grand bonhomme, un grand type, chez le chantier. Après, il y a les deux voyous, les deux bannis. Pauvre garçon aussi, ouais. Tout ça, c'est le directeur et le secrétaire de direction, fait tout à mal. Les retrouvailles bien sympathiques. On a passé un bon moment ensemble. Premier jour à notre shop, le réveil, il y en a qui dorment encore sous cette belle tête mauritanienne. On va attaquer le raid. Là c'est vraiment parti, là. On y est là. Notre shop, capitale. On part pour faire le raid. Tankage. On s'est carrément planté. Et mon ami Mathieu,
Eh ben oui, elle est magnifique. Alors là, elle est magnifique. Speed à mort. Et un peu plus, il fait chaud, il fait hyper chaud. Franchement, il faisait très très chaud. Il faisait chaud, 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 chaud. Et allez, vas-y, à la mandouille, vas-y. Ah, et que j'y pense, tu m'ouvres la fraîche. Ah ouais, énorme, énorme ce moment. C'est magnifique. Hein, ça n'est pas. C'est un trou, c'est un sort énorme. Du désert, ou alors il n'y avait rien de chez rien. Et là, tiens. 30 bords. Tiens. Tu vois quand même qu'on se moire, du lait là. Ah ouais. Ah oui, on a tout le sujet, c'était comme ça. Beaucoup de roches, voir. Et les enfants qui jouent, comme partout dans le monde. Bah, ils jouent avec un peu de l'eau. Tu vois, tu fais ça. Ah ben oui, oui, oui. Et voilà. Alors mon petit Bernard, ça va? Il y a un changement de rythme avec le sable. Ouais. Mais c'est bon. J'ai travaillé le cœur. Lorsqu'on est arrivé à Tchitchka, on a eu un petit souci de mécanique. La pompe à injection avait un souci et la voiture avançait plus. Donc avec mon ami Mathieu, on a laissé on a discuté avec toute l'équipe. La décision a été prise de partir, de laisser les autres, de ne pas continuer dans la direction où ils allaient. Parce qu'on était, était monté à Tchitchka, on est redescendu, on a fait un bivouac par ici. Et les autres partaient dans la direction par là. Et nous, on est descendu, on est redescendu sur Aleg et on est allé à Kifa. Où le rendez-vous était dans une auberge. Donc on est parti tout seul, comme des grands, dans la voiture qui roulait à 40 à l'heure, pas plus. Et on est allé à cette auberge, où on a attendu les autres. Ah ben on a dû le voir. Donc avec Mathieu, quand on est arrivé à l'auberge, on a fait tout ce qu'on a pu pour trouver des bons mécanos. Mais bon, ça s'est pas fait. Il n'y a eu que des charlatans. Et la voiture était toujours en panne. Donc on a essayé de trouver une solution. La solution, ça a été de trouver un camion qui puisse nous tracter jusqu'à Nouakchott. Tractage, il y avait deux solutions. Soit c'était, on était tiré avec une corde, soit on nous mettait dans une benne. Une benne, vous allez voir ce que ça a pu donner. Qu'est-ce que vous pensez maintenant là? Hein? De notre bon trajet en camion. Voilà, on est dans un camion. Voilà, on est dans une benne de camion avec le Maverick qui est deux, qui est fatigué. Ah, ouais. Et là, ils en vendent beaucoup de ça là. On est là, on continue. On est quand même dans la benne du camion. Ça c'est à vivre en Mauritanie. Une bonne continuité de conneries de la Mauritanie, mais bon. Inch'Allah, on sera ce soir à Nouakchott. Ça y est, le 4x4 réparé, on fait les essais. Ça va donner. Le doom est à fond. Comme vous allez voir, ça va donner. Ça va donner. Là, le type plus. Là, le type plus. Là, il y a. Ah, je sens le pire. Là, c'est mou, là. Pour sortir, c'est plus. Youpi. Ah, il est beau, là. Ah, là, il est beau, là. Ah, là, tu es beau, doom. Tu es dans ta grandeur, là. Ah, mon ami. On est planté. Je partirai sur l'avant. Je vais faire demi-tour là. Ah putain, d'accord, je le crois pas. Oh là 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 là. Allez.
à Jacques Newman. À quelle aventure on vit, je ne crois pas. Ah ouais, fantastique, fantastique. Fantastique, ouais, ça c'est assez magnifique. Là, je crois que c'est la plus belle dune que j'ai vue de ma vie. Le seul problème qu'il y avait, c'est que c'est en frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, et que juste à côté, eh ben, c'est Jenny. Alors, il faut faire gaffe, quoi. On a fait le bivouac là, mais bon, il fallait faire un peu attention. Mais bon. Kilomètres de long, je le crois pas. Le plus long train du monde. Ah ouais, c'est énorme. L'aventure se termine. Comme vous voyez, c'est d'excellents moments. Beaucoup de joie, beaucoup de moments de délire, de fête, de moments ouais, difficiles. Ouais. Des moments durs, des longs et tout. C'était... Tout ça grâce à vous. Et je tiens à remercier énormément du fond du cœur.